c'est le moment du défi. Akhenaton, bonsoir, bonsoir. Le Claudie Chaud, comment ça va? Ouais, toi, comment Claudie Chaud? T'es pas chaud? Non. Bon, bah, c'est d'être la météo alors. Bonsoir à tous, ça va? Alors, oui. T'as salué Akhenaton. Oui, j'ai même un cadeau pour Akhenaton parce que Akhenaton, c'est l'homme des mots. Akhenaton, c'est l'homme qui veut, bien évidemment, désamorcer tous les conflits. Alors, j'ai trouvé une magnifique maison d'édition pour toi, L'Arme à temps. L'Arme à temps. Non, s'il vous plaît, n'applaudissez pas, je voudrais un beau « ou » pour lui. L'encouragez pas, ouais. Non, c'est une très bonne maison d'édition. Oui. Mais enfin bon, ton jeu de mots était bidon. Ben, écoutez, c'est au public d'en décider, il était bidon ou pas? Non. Bon, maintenant, le public, dites la vérité, c'était bidon ou pas? Voilà. Ben, je ne vous en voudrais pas. Alors. Attention, défi, venez, ouais. Akhenaton, on y va, tout le monde debout. Vous pouvez déposer votre L'Arme cadeau. Attend. Personne ne va vous dire. Ça peut attendre. Tenez, mais quand même, on est trop de garçons. On va appeler quand même une jante féminine d'une beauté, mais d'une voix exceptionnelle. Elle vit entre le Canada et la France. C'est de la pop. Elle arrive tout de suite. Elle vit entre le Canada et la France. FM Letty, s'il vous plaît. FM Letty. La pop sol. Bonsoir. Ah, qui arrive avant l'heure. Bonne arrivée, FM Letty. Akhenaton, FM Letty. Voilà. Des grands artistes. Ça m'a toujours fait rire comme expression, elle vit entre le Canada et la France, parce qu'entre le Canada et la France, c'est de la flotte, quoi. Donc. Ok, allez. Alors, le défi. Défi très simple. On va passer une télénovela qui s'appelle Casa del Ado. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien voir les personnages de cette première diffusion, tenter de trouver celui que vous voulez jouer. En tout cas, il y a deux filles, deux garçons et une fille. On a fait ça l'année dernière. Exactement, c'est très facile. C'était le doublage. Hein. Vous allez vous approprier un personnage, mais en changeant complètement les textes, en nous proposant quelque chose de totalement original. Vous allez comprendre très rapidement. Femiletti, c'est bon? Femiletti, c'est bon, Akhenaton? Claudie, c'est parti, regardez ça. Avec moi qui passe rapidement. Walter, si vous saviez ce que je viens de découvrir à votre propos, vous ne feriez pas le malin. Sale crapule. Ah oui? Et qu'est-ce que tu sais? Eh bien, parle, qu'est-ce que tu sais? Je préfère laisser les choses comme ça. Ah, je ne veux pas gâcher votre soirée. Écoute-moi bien, jeune homme. Ne te crois surtout pas supérieur à moi simplement parce que tu es le petit copain de Mademoiselle Angela. Tu me dois le respect. Un peu de respect, c'est exactement ce que je vous demande. Pourquoi mettez-vous toujours le nez dans les affaires des autres? Antonio. Antonio, ne discute pas avec Walter. Bon, c'est chaud, c'est moins corbusé. Alors, on va partager les rôles. Ouais, mais sur la distribution. Non, mais c'est évident. Je prends le chauve. Bah ouais. Ah, bon, d'accord, ça y est. Moi, je prends le bras. Walter, puisque... Antonio. Nous avons le droit de refaire les noms ou d'inventer les noms. Ah oui, oui. Bah, de toute façon, c'est moi qui commence, donc c'est moi qui vais commencer à donner les noms. Hein. C'est très bien. mais vraiment, faites nourrir. On attend vraiment ça. D'accord. D'accord. Ok. Ok, attention. Attention. Le défi. C'est parti. Angela, monsieur, Angela, votre fille. Ok, Fonchouai, pendant au Pekela. Hein? Et tu as l'air drôlement mal coiffé, jeune. Ouais, bah, ouais, mais ok, Fonchouai, adieu. Ok, Fonchouai. Qu'est-ce que tu fous dans cette telenovela des années 80? Hein? Tu aurais dû être viré depuis longtemps par le casting. Allez. On sortit pour Guadeloupe, Timal. Ok, Pratimunao. Ok, bye. Moi, j'ai faim. Est-ce que vous me ferez du pad thai? On peut les applaudir, s'il vous plaît. C'était le défi. Et je repars avec FM Letty. On applaudit Rion. Non, FM Letty reste avec nous. Elle non, elle reste avec nous. Elle va rester là, à côté non, de... Non, ici, c'est parfait.